à toutes et à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se trouve pour la fameuse vidéo sport, voilà ça fait très très longtemps que je vous en parle et du coup j'ai décidé de la faire aujourd'hui. Donc je vais vous parler, j'ai une petite fiche où j'ai tout marqué ce que je dois dire pour pas trop m'embrouiller quand même. Et donc je vais vous parler et puis de temps en temps vous verrez des petits, je sais pas de quel côté je mettrai, mais des petits vidéos de moi en train de faire du sport. Alors c'est pas très glamour, hein, je suis... voilà, j'aime pas du tout l'image que j'ai quand je fais du sport, mais bon, ça vous fait plaisir, voilà, voilà. Voilà, donc, voilà, j'ai fait du sport, je me suis filmée en train de faire du sport pour vous, hein, quand même, hein. Alors, j'ai jamais fait ça de ma vie, hein. Alors, bref, du coup, on va commencer tout de suite. Donc, tout d'abord, ça va en étonner certains, mais je suis quelqu'un de très sportif dans la vie. Voilà, ceux qui me connaissent depuis le lycée savent que c'est pas vrai, mais si, si, quand j'étais avant le lycée, tout se passait bien, je faisais vraiment du sport. Donc, j'ai fait 6 ans de gymnastique, 2 ans d'athlétisme, 5 ans de volley, 1 an de danse, et il me semble que j'ai fait 1 an de piscine aussi. Donc voilà, bon après si vous faites tout le résultat, ça va pas vous donner mon âge, mais parce qu'il y a des années où j'ai fait 2 sports dans la même année. Voilà, donc j'étais très sportive comme vous pouvez le voir. Je tiens à dire quand même que les 6 ans de gym, c'était quand j'étais vraiment petite, j'ai commencé à 2-3 ans je crois, donc vraiment c'était il y a longtemps. Donc voilà, le volley c'est le dernier sport que j'ai fait, j'ai arrêté malheureusement à cause d'un... enfin j'étais blessée quoi, et puis donc voilà, mais j'aimerais beaucoup reprendre, c'est clair ça, voilà. Mais avec le confinement c'est compliqué, et avec le bac c'est encore plus compliqué, donc voilà voilà. Alors, je sais pas ce que j'ai, je suis super en forme aujourd'hui. Ah, je crois que vous l'avez remarqué, mais là, je sais pas pourquoi je suis super en forme. Bref, donc, j'ai fait du sport jusqu'au collège. Au collège, j'aimais pas le sport en cours, parce que j'aime pas faire du sport devant les autres, je déteste ça, voilà. Donc ça, voilà, j'ai jamais fait de sport devant les autres, sauf à l'école primaire. Mais au collège et au lycée, je détestais ça, donc je le faisais, mais à reculons. Et dès que je pouvais avoir mal à la tête et pas faire sport, je le faisais, hein, clairement, que ce soit au collège ou au lycée. Hein. Donc voilà, en dehors, par contre, j'arrivais à faire du sport, hein, allez savoir pourquoi, mais voilà. Ok, donc bref, j'étais très sportive, sauf en cours. Quand je suis arrivée au lycée, les cours de sport, c'était fini. Vraiment, j'ai fait n'importe quoi pendant mes cours de sport. J'y allais jamais, ou quand j'y allais, j'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête, je pouvais pas faire sport, j'avais pas mes affaires, j'avais mal au dos, j'avais mal à... Bref, voilà. En gros, je pouvais pas faire sport. Je te dérange pas, quoi. Donc... voilà, donc je faisais jamais sport en cours et non plus je faisais pas de sport chez moi ni en club, hein, pas du tout, pas du tout. Vraiment le lycée, s'il y avait pas de sport, hein. Enfin là je suis toujours au lycée, mais les 2 années de lycée, seconde, première, il y avait rien du tout. Donc j'ai pris du poids forcément, et déjà que j'étais complexée par mon corps, je vous avoue que ça m'a pas arrangé. Hein. Donc du coup je me sentais mal dans mon corps, alors j'ai décidé un petit peu de me prendre en main au bout de la terminale seulement, hein, quand même faut le dire quoi. Alors à la terminale, enfin du coup en fin première, j'y avais le premier confinement, voilà, qu'on a tous adoré d'ailleurs. Et où j'ai repris le sport, j'ai fait vraiment plein de trucs pendant ce confinement. J'ai créé ma chaîne YouTube, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. J'ai commencé le sport, j'ai fait du dessin, j'ai fait vraiment plein de trucs pendant le confinement. Et en fait je me suis découvert plein de talents, donc trop cool. Voilà, donc bref, on parle du sport là. Donc j'ai repris le sport avec une application, il y a plein d'applications comme ça, celle-là c'est... perdre le gras du ventre, parce que vraiment j'étais complexée de ouf par mon ventre. Il y avait aussi muscler les bras, il y avait faire les fesses, il y avait tout, hein. Vraiment c'était, il y a de tout. Vous allez sur, je sais pas si vous, moi j'ai pas d'iPhone, mais je sais pas si vous séparez sur les iPhones, je pense que oui. Il y a beaucoup d'applications qui ressemblent à celle-ci. C'est, vous savez, il y a les petits bonnes, il y a une, ah bah, le petit carré forcément de l'application. Et puis il y a soit un bras comme ça, il y a soit tu montres le ventre. Il y a plein de trucs et en général c'est noir et rouge. Bon, je vous montrerai dans un coin le petit carré là que je suis en train de vous parler de l'application. Ensuite, donc j'ai fait ça, je faisais à peu près...
Ah, je sais pas, 3-4 fois par semaine, je pense. Et c'est des séances d'environ 30 minutes suivant les séances qu'on faisait. Et donc j'ai fait ça pendant 2 mois de confinement. Ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a aéré la tête et tout, parce qu'en confinement c'était horrible, genre. Donc voilà. Ça m'a fait vraiment du bien de reprendre le sport, ça faisait super longtemps. Et puis je me sentais musclée au bout de quelques semaines, donc ça me faisait du bien. Je sentais que j'arrivais mieux à faire les exercices, etc. C'était beaucoup mieux. Donc voilà. Là vous verrez pas de moi en train de faire du sport, ce sera à la fin. Après le confinement, il y avait plus rien. Voilà. Après le confinement, il n'y avait vraiment plus de sport. Hein. J'ai arrêté. C'était finito. Voilà. vraiment, je faisais plus rien de ma vie. Je bronzais. Et puis, voilà. Voilà, sacré été, franchement. En plus, mon copain habitait chez moi, donc je passais toute ma vie avec lui. Donc, vraiment, le sport, j'avais complètement zappé le sport pendant l'été. Il n'y avait plus personne. Hein. Ensuite, on a eu la reprise des cours. Et à la reprise des cours, j'ai repris le sport parce que j'étais stressée. Je suis tout le temps stressée quand je vais en cours, je sais pas pourquoi, mais je suis stressée. Donc à ce moment-là, j'ai repris l'application que je vous ai parlé avec des séances de 30 minutes et plus du rameur. Donc le rameur, c'est... Je vous montrerai une photo là de moi qui en fait, et puis enfin une photo, une vidéo de moi qui en fait. Et en fait, le rameur, ça fait travailler le dos, les bras et les jambes, et plus particulièrement dans les jambes, les mollets, puisque ça vous fait forcer déjà sur les bras. Le dos, faut toujours le laisser bien droit, et puis les mollets, bah, ça vous fait travailler puisque vous faites avant, derrière, donc voilà, ça vous fait travailler. Donc, je faisais ça me faisait à peu près 1 heure de sport, je faisais ça. 2 fois à peu près par semaine parce que c'était un petit peu compliqué quoi avec les cours etc. Donc ensuite nous avons eu le confinement numéro 2. Voilà, juste avant le confinement numéro 2 j'ai découvert une application. J'en avais déjà entendu parler mais pas de celle-ci, je sais pas, on n'avait pas dit sûrement le nom de l'application mais ça devait être ça. C'est WeWard. Et en fait, donc qu'est-ce que c'est cette application? C'est une application où ça vous compte vos pas et à un certain nombre de pas, vous avez un ward. Et un ward, ça vous fait gagner de l'argent. Alors non plus, c'est pas de l'argent vraiment beaucoup. Mais moi, je crois que j'ai presque 2 euros en un mois à peu près. Voilà, mais après, je marche pas beaucoup. J'ai pas tout le temps mon téléphone sur moi, etc. Donc c'est assez compliqué. Par exemple, je crois que le premier stade c'est 1500 pas, vous avez un ward, ensuite c'est 3000 pas, ça vous faisait 3 wards, 6500 pas, ça nous faisait 6 wards, 10 000 pas, 10 wards, etc. Ça va jusqu'à 20 000 pas, je crois. Donc faire 20 000 pas en une journée, c'est déjà pas mal. Hein. Et il propose des petits partenariats avec certaines marques. Donc par exemple, 1 euro sur cette marque équivaut à, par exemple, j'ai une connerie, 10 wards sur WeWards. C'est-à-dire, par exemple, il y a Nike, ça je suis sûre. En ce moment, ils font avec Marionneau aussi. C'est des petites collabs comme ça qui peuvent vous faire gagner beaucoup de wards. Et un ward, c'est quelques centimes. Voilà. Par contre, juste une petite parenthèse, j'ai capté tout à l'heure que j'ai oublié de vous dire le temps de rameur que je faisais 25 minutes en fait, parce que je crois que je faisais 3 minutes vite et 3 minutes pas vite, je crois, un truc comme ça, donc ça nous faisait 25 minutes, enfin je sais plus, mais c'était dans ces eaux-là quoi. Et voilà. Ensuite, donc on reprend à WeWard. Donc en fait, vous marchez pour gagner de l'argent, c'est un petit peu ça le concept, c'est de garder la forme tout en gagnant un petit peu d'argent. Voilà, ensuite, donc là, depuis le deuxième confinement, ils ont fait des lives en fait. Ils ont commencé à faire des lives sportifs, donc vous avez plusieurs sports. Vous avez du yoga, il y a du cardio training, il y a du smile and train, ou du smile and training, je ne me rappelle plus. Il y a quoi d'autre? Il y a du renforcement musculaire, il y a vraiment plein de trucs, enfin plein de trucs. Au niveau musculaire et au niveau yoga, il y a ce qu'il faut largement. Donc voilà.
Et du coup, j'ai commencé les programmes de sport pour me remettre un petit peu au sport et changer de l'application pour voir ce que c'est un live. J'avais jamais fait ça. Et c'est super bien, en fait, je trouve, parce que la personne, elle est là, elle te motive. Tu vois que t'as une personne en face de toi, puis tu sais que t'es pas tout seul à faire du sport. Il y en a plein qui suivent la même personne et qui font la même chose en même temps que toi et qui souffrent pareil que toi en même temps. Donc... voilà, déjà, ça, franchement, moi, ça me va beaucoup mieux, les lives. Après, je sais pas jusqu'à quand ils vont faire ça. Pour le moment, ils ont dit que c'était pendant le confinement, donc ça va durer un petit moment, je pense. J'espère, en tout cas, parce que, enfin, j'espère, pas pour le confinement, mais pour les lives de sport, parce que vraiment, ça me motive de ouf à faire du sport. Donc, moi, je suis les Smile and Train, ou Training, je me rappelle plus, avec, c'est Ilan Bokhara, qui est un ancien footballeur et qui est maintenant coach sportif. Donc ça va, c'est assez cardio, en même temps c'est musculaire, il vous donne des alternatives si vous n'arrivez pas à faire l'exercice, etc. J'ai pas essayé les autres cours, le yoga ça m'intéresse pas. Et après il y a un autre mec, c'est Dan je sais pas quoi, qui est aussi en renforcement musculaire, etc. Mais j'ai pas du tout essayé ses cours à lui encore, parce que les horaires me vont pas vraiment. Il y a des horaires à 18h, à 18h30, à 19h. Et pour le yoga, des fois, c'est 20h15 ou midi 11h la journée. Donc, voilà. Donc, moi, je fais le sport avec... je fais le Smile and Train. Je fais mardi et le jeudi à 19h. Voilà, comme ça, j'ai le temps de rentrer, de me changer, de me poser un petit peu. Et après d'aller faire le sport, me défouler à fond. Et après il est 20h, donc je mange, je vais à la douche et au dodo, voilà. Ou alors je fais mes devoirs, enfin je vois suivant ce que j'ai à faire quoi. Donc voilà, mais ces lives ils sont vraiment super bien, je kiffe vraiment. Et celui-là que je suis, la Ilan Bokhara, il est sur Instagram. Et comme il est coach sportif, il met des IGTV live sport. C'est-à-dire que vous avez 45 minutes jusqu'à 1 heure, je crois. Je crois que son maximum c'est 1 heure de sport, où vraiment c'est comme un live et vraiment c'est génial. Voilà, je vais en tester un ce soir, donc je vais vous filmer en même temps ce que je vais faire. Et vraiment je kiffe ça parce qu'il met les lives qu'il fait sur WeWord, mais il fait aussi d'autres lives à côté. Et franchement du coup ça nous donne des lives pour à peu près chaque soir et tout, suivant nos envies, etc. Donc c'est vraiment génial. Voilà, en plus il est super sympa, il est rigolo, il est toujours de bonne humeur et toujours il nous motive, etc. Vraiment super. Donc un très bon coach sportif. Donc voilà, et puis et du coup là je suis les lives WeWord le mardi et le jeudi pendant 1 heure. Plus ses lives à lui. Donc là, vu que ça a changé, le lycée maintenant c'est en hybride. Du coup, je fais vachement plus de sport. C'est-à-dire que quand je suis chez moi ou même quand je rentre le soir, en fait, je fais pas de sport le lundi puisque j'ai sport au lycée. D'ailleurs, cette année, je fais sport en cours. Hein. C'est incroyable quand même. Donc, je fais sport en cours et je fais pas sport le dimanche et le lundi, mais je fais du sport donc le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et des fois le samedi si je suis motivée. Mais vous voyez que je fais vachement plus de sport qu'au collège qu'avant. Enfin, vraiment, je fais vachement plus de sport et je me sens vachement mieux, quoi. Enfin, franchement, parce que là, la période me stresse de ouf et franchement, ça me fait du bien. Enfin, vous savez même pas comment, quoi. Franchement, même au niveau du corps, enfin, je me sens... enfin, j'ai vu que je m'étais affinée, j'ai vu que moi, j'arrivais mieux les exercices. Et enfin, il y avait des exercices que j'arrivais pas du tout, puis au fur et à mesure j'y arrive. Enfin, c'est trop cool, vraiment. Je suis très fière de moi et puis ça me motive de ouf de continuer le sport en fait. Donc j'espère qu'ils vont continuer les lives. Et s'ils continuent pas les lives, il y aura toujours l'Instagram de Ilan Bokhara. Je vous mettrai le Insta en barre d'infos. Et voilà, c'est IB- je sais plus quoi, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voilà, j'ai fait un petit tour en gros de ce que je fais comme sport. Vous avez vu défiler les petites vidéos. Je vous ai normalement ce que je vais faire au montage, c'est que je vais vous mettre une vidéo du rameur et du WeWord là, donc du coach Ilan Bokhara, que je vais faire ce soir du coup, je pense.
Enfin, je vais le faire ce soir, mais je sais pas si je vais vous le filmer ce soir, on verra quand même. Donc voilà. Et après, niveau tenue de sport, j'achète tout chez Decathlon, les leggings, les soutifs de sport et les baskets. Et voilà. Et les t-shirts, c'est des t-shirts Charente-Maritime, ou voilà. Ou des t-shirts à mon père qui sont trop grands pour lui et que du coup, moi, ils sont énormes. Mais ça me suffit pour faire du sport, c'est très bien. Donc voilà. Après, je vais essayer là de renforcer encore un petit peu plus mon niveau de sport en mettant des poids de 1 kilo, voilà, pas beaucoup, mais en mettant au fur et à mesure des poids, ce qui va encore plus me muscler et encore plus m'affiner, etc. Donc voilà. Aussi, je voulais vous dire, il y a le sport, mais il y a aussi l'assiette à côté. C'est-à-dire que si vous mangez, entre guillemets, que de la merde, ça vous servira à rien de faire du sport. Ça va pas ni vous muscler, ni faire perdre du poids, ni prendre du poids. Enfin, même si vous mangez de la merde, en fait, pas du tout. Faut vraiment manger des protéines. Donc, vous pouvez manger des œufs, manger de la viande blanche, du poisson. Vous pouvez manger des légumes et des fruits à volonté, tout le temps, ça d'ailleurs. Mais vraiment, faut essayer de manger des protéines après le sport. Après, vous avez toujours le droit de faire un petit McDo, un petit kebab, enfin, vous faites ce que vous voulez, tu vois. Mais faut quand même faire attention à sa nourriture, à ce qu'on mange à côté, parce que sinon, ça sert à rien de faire du sport. À part à nous défouler, mais du coup, si vous voulez perdre du poids, prendre du poids ou vous muscler, ça servira à rien. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour, hein, de ce que je voulais vous dire. Donc voilà, tout ça pour vous parler de mon sport parce que ça fait super longtemps que j'avais dit que je faisais ça. Je vous l'avais dit dans une journée avec moi que je vous mets juste ici dans le petit. Et voilà. Et donc j'étais contente de faire cette vidéo avec vous. Puis là, je vais aller me défouler en faisant du sport parce que j'ai passé une journée exécrable. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour une vidéo, une nouvelle vidéo. Voilà, je sais pas ce que ça va être là, c'est un petit peu compliqué. J'ai beaucoup de vidéos qui sont tournées, mais le montage, ça ne suit pas du tout. Je crois que j'ai 6 vidéos à monter, c'est une catastrophe. Donc voilà, si quelqu'un connaît un monteur ou etc. qui prend pas cher, tell me everything parce que là, j'en ai besoin quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a super bien plu. C'est pas très français, mais ça m'a super bien plu de tourner cette vidéo avec vous. Je sais pas, j'étais de bonne humeur là. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a plu de tourner avec vous. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche pour voir toutes mes vidéos. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo.